Une dame m'ayant demandé hier si j'étais venu pour faire des lectures, je lui ai aussitôt menti. Et l'occasion s'est trouvée de pouvoir à peu près assumer ce mensonge. Merci d'être venu. Je m'appelle Jacques Bonafé, je suis comédien. Je n'ai pas trop droit à la parole ici, mais mon truc à moi, c'est de m'emparer du texte des autres. Je travaille à France Culture pour une émission sur la poésie qui est courte, qui donne chaque jour 3 minutes et demie de poésie. En tout cas, jusqu'à juin dernier, c'est une manière de dire que je la regrette très fort, puisqu'elle ne reprend pas à la rentrée, et de puiser dans les dossiers qui sont... Ouais, j'en profite pour attiser la polémique. Et j'ai donc effectivement à dire, je me suis à dire que j'allais sortir ça de ma valise. Pas tout à fait ma valise, c'est mon sac. En fait, c'est la poésie prise dans le sac. Voilà le titre de notre colloque aujourd'hui, notre réunion. Alors, j'allume, paf, poésie, ça va, j'ai les dossiers à peu près prêts. Puis je vais prendre dans les derniers enregistrés cette année, non pas sans une certaine fierté. Au début de l'année, Jan Betens, qui est un poète d'origine belge, ayant écrit sur la lecture, François Gibault, Lambertsy, Dupin, Zeno Bienu, Svetaeva, etc. On passera par tout ça, mais pour commencer cette lecture, je voulais d'abord laisser parler les oiseaux. Pourquoi les oiseaux chantent ? Jacques Delamain. Jacques le Bienheureux. Un matin de novembre, les cœurs d'oiseaux ont commencé par un chuchotement doux. En lisière du bois, dans la tourbière où des traînées de brouillard s'attardent encore au-dessus des fossés gorgés d'eau, la troupe des tarins verts, arrivée depuis quelques jours des forêts du Nord, fait jaillir des zones un crépitement de notes métalliques. Plus loin, dans la vallée abritée, une bande d'étourneaux emplit la cime du peuplier d'un bavardage à la fois chanté, parlé et sifflé, composé de tous les bruits de la nature que ces mimes au manteau noir pointillé de blanc ont recueilli dans leur va-et-vient entre la plaine et les forêts. C'était, pourquoi pas, une belle introduction à la nécessité du poème, celle du chant des oiseaux. Il faut du silence dans la poésie. Ça tombe bien. Alors, j'excelle. Pas mal. L'oiseau n'est jamais tout à fait silencieux. Créature sociale, créature sociable, nerveuse, perpétuellement en alerte, d'un coup d'aile. L'oiseau n'est jamais tout à fait silencieux. Créature sociable, nerveuse, perpétuellement en alerte, qu'un coup d'aile emporte dans l'espace. Il doit communiquer constamment avec ses semblables à travers l'étendue. Il faut que le signal porte loin, pénètre le bois touffu, perce le vent. Du gosier aux multiples membranes commandées par des muscles puissants sortiront des sons différents pour chaque espèce, ayant chacun une expression propre. Le cri d'appel rallie la bande dispersée. Dans les chaumes, vibre à travers la bourrasque sur la côte marine pour convier les mouettes et les hirondelles de mer au festin commun où retentit aigu et mystérieux pour assurer le contact entre les migrateurs nocturnes. Nous, on va chercher nos petits cris. Cette année, par exemple, j'aurais envie de dire immédiatement dans Valérie Rousseau, elle m'a donné tellement de bonheur. Et si j'ouvre la semaine de Valérie, je tombe dans les premiers poèmes. Très cher petit papa Noël, j'aimerais, si tu le veux bien, que tu laisses au pied du sapin un bon silence vraiment complet, le vide en mon petit soulier. Je voudrais assez un grand rien enveloppé dans un nuage en forme de bel ours polaire, toutes mes larmes évaporées
Oh, s'il te plaît, fais-moi plaisir, redeviens illumination, la neige par milliers en flocons, toi en un tout seul exemplaire, un mirage entre ciel et terre. C'est une proposition intéressante qui nous fait voir si la poésie appartient à cette émotion qu'on a captée dès l'enfance. Nous irons dans un petit wagon rouge avec des couches l'hiver. Comment ça commence cette poésie de Rimbaud ? Nous irons dans un petit wagon rouge avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres du soir. Cette populace de démons noirs et de loups noirs. Puis tu te sentiras la joue égratignée. Un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou. Et tu me crieras « cherche » en inclinant la tête et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Merci pour lui, il s'appelle Arthur, il est jeune et je pense qu'on peut le soutenir. On y reviendra. Qu'on vive ! Pour Jérôme Prévost, vigneron à merveille en Champagne. Un poème de Valérie Rousseau, toujours. Je n'aime pas la terre, car on dit qu'on y meurt, mais j'aime ces éléphants, ces oiseaux, ces grands singes, et ces tours sur elles-mêmes, tours autour du soleil, ces saisons, ces châteaux, ces âmes non sans défaut, ces ânes, ces coqs, ces oies, ces cailloux, ces forêts, ces jardins, ces abeilles. Mais pardon, je radote, j'ai déjà dit cela, et puis... que j'aime aussi de la terre, l'atmosphère, le satellite changeant qui s'appelle la lune, influence l'océan, l'humeur des coquelicots, ces hommes remplis d'eau auxquels je n'entends goutte. Oui, une de ces chances, voilà, c'était ce qui appartenait depuis toujours à la comptine et qui est développé plus loin, quoi, et que, comme dans le petit poème de Rimbaud, elle a su garder dans ce temps court du poème. C'est la première chose à faire quand on commence à chanter, c'est des petits airs, pas tout de suite lancer dans les grands airs. Les petits airs de Valérie Rousseau ont un parfum inégalable. Elle a écrit un livre en sonnet qui s'appelle Vrouze, et dedans, est-ce là-dedans que j'ai piqué ? Oui, un de mes sonnets préférés, je vais essayer de le retrouver. Thermos de café noir, petit lu authentique. Dans le train pour Clermont qui s'arrête à Nevers, un petit gars tout seul, je lui donne un biscuit. Il connaît bien, il croque en premier les oreilles. Ce n'est ni Brest, ni Nantes. Pourtant il pleut, et les sapins sont verts, la couleur du voyage, avec le beau gris perle des nuages levés tôt, les yeux bleus de l'enfant qui s'endort à présent. Petit beurre cultivé avec blé fabriqué, pour être encore meilleur, c'est dit sur l'emballage, en biodiversité comprenant les bordures fleuries pour les abeilles et puis les papillons. Tout est tellement parfait, comment penser qu'on va mourir ? On prend pour nous tellement, tellement de précautions. Excusez-moi, mais vous voyez, bon, en même temps je vous ménage, parce que la chaleur aidant, on peut avoir des vertiges, et donc je laisse des temps dans le poème, d'accord, qu'on puisse reprendre. Une fois, elle est tombée amoureuse, Valérie, et pas de veine, ce jour-là, il y a eu une panne de métro et qui a foutu en l'air son histoire d'amour. Alors elle a écrit « J'ai perdu les pédales, alors je vais à pied, comme un tout seul nuage, une montagne déplacée. Mais vous m'en direz tant, et vous n'aurez pas tort. Comme moyen de transport, il y a la métaphore. La figure du poème vous porte tout là-bas, aussi bien que le train ou le vélomoteur, le roller, le scooter, la planche, l'aéroplane, et ça les doigts dans le nez, sauf si vous faites la gueule et vous vous la cassez. La mer, c'est l'infini. L'amour, c'est l'incendie qui brûle les grands bateaux échoués sur les grèves de la RATP. Je rentre avec tes pieds. Valérie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les questions d'engagement,
Je trouve parfois, je trouve assez peu de poèmes qui s'engagent directement. Si ce n'est tout d'un coup des poésies qui sembleraient plus l'être, qui ont un autre motif, comme de mobiliser des troupes sur des motifs, etc. Il y a finalement, dans tous les livres, éditions qu'on consulte, etc., une cesse d'échappatoire. Le poète n'a pas à se charger directement d'engagement écologique, par exemple. M'intéressait chez Valérie, c'est qu'elle s'y met. Elle s'y met au début, là j'avais noté, on m'a encore googlisé une gargouille au trombinoscope, du social roseau bien pensé, grenouille ascendant, ver de terre. Je trace comme un réseau de lignes entre lesquelles tu peux filer, lecteur. Ceci n'est pas une toile électronique ou d'araignée, juste un dizaine pour te saluer, lecteur qui est souvent lectrice. Voilà. Elle joue particulièrement bien avec les sons. What's in a bird? Un albatros mort sur une plage. What's in a bird? Nombreux. Pas une chanson volage, mais bouchon de bouteille sans message de l'oiseau. Coca, Fanta, soda, du zéro sucre sans joie. Des pailles comme s'il y avait la mer à siroter. Des morceaux de poupée Barbie, pas de musique. De perles de toute taille et couleur en plastoc, des cartes subscriber, identity module, des chewing-gums, des codes-barres, des branches de lunettes noires, des tubes de rouge à lèvres, des capotes anglaises, peut-être aussi un peu d'une tortue médusée, une tortue confondant sac plastique et méduse, what's in a bird échoué sur le sable mauvais, du temps atroce qu'il fait, l'oiseau actualisé. Et j'avais noté... Elle déconne très joliment. Oui, c'est aussi qui pourrait être pris comme un poème écolo et qui est acceptable en tant que tel. Deux choses, un poème de réaction en même temps d'action dénonciatrice au moins. Il faut avoir un écran plat, un ventre pareil. Bientôt la terre aussi va redevenir plate et les femmes enceintes seront l'exception avec les ballons de football gonflés à bloc. Plat comme une autoroute, une rivière bétonnée, les carpettes incapables de jamais protester, les conversations sans sel, sans joie, sans fin, mais encore et cette fois plus heureusement, plat comme les sols, les limandes, les raies, les plages grises que l'on arpenterait à pince ou à vélo, gaiement, avant d'aller s'offrir le plat du jour, cuisiné avec plaisir, avec amour, servi par la patronne au pied cambré. Autre poème, si quand les abeilles font le buzz, c'est qu'elles menacent de disparaître, on a raté la fleur des champs, l'insecte enivré de nectar, chercheur de calice et pollen, le vacarme et les acouphènes donnent le bourdon à nos oreilles, puisque c'est ça, tu gardes un peu de cire dedans les écoutilles, toi, ni running, ni cocooning, signe à tour de bras pétition. Celui-là, je viens de le planter. Devant vos oreilles ébahies, je me suis embarqué dedans. Alors, c'est-à-dire que je suis déjà en train de penser à l'enchaînement. Il y avait dans... Là, c'était à la table ronde, ce qui vient de sortir, c'est Sens Averse de Valérie Rousseau, qui est merveille. Et on reviendra tout à l'heure à Valérie Rousseau. Je voulais repenser à William Cliff, qui nous a fait des très belles surprises cette année. Je parle. Il était excellent à l'entraînement pendant l'hiver et finalement, il a sorti au printemps deux recueils, particulièrement au nord de Mogador, qui nous a complètement soufflé. En attendant, excusez mon manque de sérieux. J'essaie de nous ranimer comme on peut, mais... Il y avait cette chose quand même à propos d'écran plat, ventre plat. Je voulais... Ah, un petit oiseau. Un petit oiseau. Un petit oiseau, en même temps j'ai une boutique de fabrique sur les oiseaux. Alors donc, je mets de côté des textes, par exemple, le merle. Le merle parle selon... Non, on ne va pas prendre le merle, on va commencer par le pinson. Voilà. Quand il est heureux, le pinson parle le gai pinson. En revanche, quand il doit boulotter, c'est le pinsonneur des lilas, tout tristouné.
qu'il laisse s'exprimer pour nous signifier que des petits trous, toute la sainte journée, c'est vraiment pas la joie. Vous l'avez reconnu, c'est un poème de Jean-Pierre Verhaeghen, de l'admirable poète belge. Le rouge-gorge gonfle sa belle poitrine rouge vif, d'où sortent en guise de paroles quelques slogans de lutte prolétarienne. Non à ceci, oui à cela, etc. Le rouge-gorge scande et n'évite pas les esclandres quand il vitupère vertement contre les oiseaux qu'il qualifie de bourgeois, l'oie et son foie gras, la dinde made in USA et le canard laqué des nouveaux capitalistes. Le merle parle, selon son interlocuteur, soit le moqueur, le persifleur impertinent, soit le clément, voire, cerise sur le gâteau, l'indulgent, populaire et magnanime. Pardonnons-lui, nous aussi, certaines offenses railleuses qui lui ont valu d'être traité mal à propos de grossier merle, ce qu'il n'est pas. Le corbeau. Le corbeau parle couramment le latin. Le latin d'église s'entend. Comme les petits vicaires novices et frais tonsurés et les vieux curés de campagne à soutane de jadis. Quand ils ignorent le latin, tous les corbeaux ne vont pas à l'université, ne courent pas les retraites pour jeunes croyants, fussent-ils très bons. Le corbeau préfère se murer dans le silence et prendre la plus belle de ses plumes pour, le soir venu, calomnier incognito ses voisins, y compris ses paroissiens, mais discrètement, sans en faire tout un fromage. Enfin, je vous propose le lagopède. Le lagopède parle le pédant. Cela dit et entendu, question connaissance, érudition et culture générale, le lagopédal le plus souvent dans la choucroute. En fait, le lagopède plus haut que son cul. Alors, oui. Ça, c'était très étonnant. Je vais vous soumettre à quelques poèmes d'oiseaux de Dominique Kellen. Je le trouve formidable. Et dans l'expérience de l'émission, j'ai parfois des choix que je peux considérer comme gagnants, ou en tout cas qui vont être très faciles à faire entendre, qui donnent du plaisir. Puis d'autres fois, j'ai des hésitations sur les textes et il y a quelque chose que je comprends, qui se découvre au moment de l'enregistrement, à tel point que je me demande parfois ce qu'est un poème. Parce qu'il y a d'un côté une chose qui est déclarée, vraiment, qui veut se faire entendre, qui va être dite, et puis il y a une autre partie qui voudrait échapper à cette déclaration qui se passe ailleurs, pour nous qui devons dire les mots, qui est parfois, l'émotion est avant l'émotion, avant de devoir articuler les choses, avant. Alors, par exemple, je prends du Verhaeghen et que je le balance, là, j'aime articuler. Et quand je suis devant du Dominique Kellen, j'aurais presque, au fond de moi, besoin de le retenir. On s'y risque. Revers. 1. Prendre le départ. Savoir s'il est ou n'est pas là. On fait le point. Dans la langue, la clé va avec joie. 2. Où puis-je mettre ce projet? Ce sont des mots. Les A sont les premiers. Bons oiseaux. Ceux qui ont, où se trouvent-ils? Les autres ont plus. Ils sont beaux. Je vois vers davantage Dieu ou vers de plus beau. Ne soyons plus là. 3. Les corps trouvent tout bien. Qui sert d'oiseau ou de premier vocable? Les abois, ce sont nos os. Est-ce vrai? Et puis la fausse joie d'aller, on la dissimule dans l'air. Le fait d'être, on est là. 4. S'il faut départ étranger. 1. C'est Dominique Kellen. Zosio, qui est un texte de Norge. Comme Jacques de Mar, il s'est préoccupé d'approcher des oiseaux par, une copie sur la stridulation, sur les conversations des oiseaux. Et il a inventé un espèce de vieux latin avec lequel écrire Zosio. Là, c'est Norge. Ah, mais ben, les tortorelles, ce sont des Zosio qui recoulent par l'oreille, diront ron si beau. Tous au lit de la punelle, tous au lit de la purnelle, ce sont des Zosio amoureux du bec de l'aile, du flanc, du mousio. Roquetou, roquetoucou, tourtourou torelle, ah mais bien, les roucoulous de la tortorelle.
On dit roux quand on la scoute au soleil d'août, que le bonheur, que la mort vont dorer aux ors. Quelqu'un qui a essayé de parler oiseau. On fait une petite pause dans les oiseaux. Tout à l'heure, il m'est tombé ce truc-là. Allez, ouais, on va à propos de ventre plat, vous disais-je. Et puis, comment je vais faire une trame? Ah, putain, j'ai des tas de directions possibles, c'est pas... Also spricht Niki, j'avais envie de le dire soudain, celui-là. Il rentre, disons, dans la deuxième partie du montage, qui serait... oui, j'ai lu dans Corbière Matin que Jacques Bonafé allait lire des poèmes selon son cœur. On va être un peu plus, quoi, un peu plus, je dirais, boum boum, quoi, un peu plus romantique, non, un peu plus amoureux. Ben, ce qui ne manquait pas avec les oiseaux, par exemple, ici, j'en fais un message personnel. Là, après, on va le redescendre. Parce que ça, oui. Il faut que je vous prévienne. On y est presque, hein. En fait, la proposition de poésie va se terminer par une séance de méditation que je dirigerai. Mais là, pour le poème de Charles d'Orléans, je ne peux pas. C'est un poème très sérieux. C'est un poème très ancien, et d'autant plus de valeur, et d'autant plus de prix. Il est court. Vous savez qu'à l'époque, je ne vous apprends rien, mais il convient de le dire pour tout le monde. Quand on s'aimait, on s'envoyait des choses rares et précieuses. Et à l'époque, les fromages voyageaient peu et on pouvait, à sa bien-aimée par exemple, envoyer un Saint-Nectaire et qu'elle n'avait jamais humé cette... moi qui suis du Nord par exemple, j'aurais pu envoyer un vieux Lille à mon ami Jean-Pierre des Corbières. Ça a été une grande déclaration d'amour. Et là, Charles d'Orléans envoie un bris de mots. Mon doux cœur, je vous envoie, soigneusement choisi par moi, ce bris de mots délicieux. Il vous dira que malheureux, en votre absence je languis, au point d'en perdre l'appétit. Et c'est pourquoi je vous l'envoie, quel sacrifice c'est pour moi. Mais, bien sûr. Vous voyez la taille de travail, environ 13 semaines pour arriver à un poème aussi simple que... Non, mais bien sûr, c'est les poèmes d'Anis Coles qui sont très courts, qui viennent recevoir le prix Goncourt de la poésie, et là, c'était un choix adéquat et merveilleux, sont d'une brièveté saisissante, aura peut-être le... Mais alors, ce que je voudrais dire à propos du poème de Charles d'Orléans, c'est que j'ai trouvé Jean-Pierre près de chez moi, c'est absolument incroyable, en fouillant dans les archives du côté de Cambrai, en fait, dans la région de la Thiérache, exactement, dans une abbaye, un poème datant d'avant Charles d'Orléans, et qui m'a fait mis des doutes, qui est absolument similaire. Ma grosse loute, ravette ici que Mervel et Maroual j'ai pour ti. Un diro qui commence à voler, c'est à peine si je peux te l'envoyer. Qui se pose sur une bouc comme un mouc. Qui se pose sur tes lèvres comme un bouc. Je ne sais plus exactement après, les paroles sont... Et puis, si tu veux corps, il n'a corps, mais celui-là, il faut passer sur main corps, et un corps, et un corps, et un corps. Voilà. Très, très étonnant. Très, très étonnant. Donc, oui, laissons parler les femmes, vous avez raison. On va faire le terme. Et Niki de Saint-Phalle parle ainsi. Le monde est rond, le monde est sain, le monde a la rondeur d'un sein. J'aime le rond, j'aime les courbes, je n'aime pas l'angle. L'angle me fait peur, l'angle droit tue, c'est un couteau. L'angle droit est un assassin. J'aime le rond, j'aime les vagues, je n'aime pas la symétrie.
Mes cercles ne sont jamais bien ronds. Je n'aime pas la perfection. La perfection, c'est la froideur. L'imperfection donne la vie. J'aime le rond, l'ondulation. J'aime la vie que donne le rond. Rond ou carré, carré ou rond, je me promène à l'intérieur. Moine de Dieu, je tourne en rond. Je suis l'aveugle d'un palais rond. Mes yeux me sont ce que je sculpte. Ce que je sculpte, ce sont mes yeux. L'imaginaire, l'imaginer, c'est arc en terre, c'est rond en ciel. C'est moine bonheur, c'est non-extase. C'est ventre fécond, le ventre fécond. C'est ventre fécond, c'est ventre fécond. C'est ventre fécond. Vive le con, vive le con, vive le con, vive le rond, vive le con. William Pfeiffer. Étonnant. On va rester dans la couleur, parce que d'une certaine manière, c'est un auteur cru, mais d'une distinction incroyable. Voilà, lui, il écrit, il réécrit avec des rimes, avec des décasyllabes plus qu'avec des alexandrins. Ce qui nous fait dire que ça peut revenir à la mode et ce qui me fera dire en même temps que tout le monde ne doit pas s'y essayer. Il faut vraiment s'appeler William Cliff pour arriver à ce résultat. Si vous voulez bien, prenons 2 secondes de silence. Méditez en vous-même, très fort. Roupillez 2 secondes. Bon, c'est ce document-là, je l'ouvre. Voilà, la poésie prise dans le sac. Je voudrais... Pardon pour cette petite hésitation, mais il y a un bouquet formidable. William Cliff a publié 2 livres cette année, au nord de Mogador, et puis, et peut-être avec l'autre... Ah ben, je vais commencer avec celui-là. Petit insecte humain. Petit insecte humain qui rampe sur la terre, dont l'incertain destin te désole et ta terre, quand par un soir d'été tu t'en vas plein de doutes, écoutant la rumeur qui vient d'une autoroute, et qu'elle te semble extraordinaire quand même, et palpitante l'existence que tu mènes, malgré les cruautés qui sévissent parfois entre quelques cités travaillées par des voix méchantes qui font que, comme des sales bêtes, les hommes s'entretuent pour d'ineptes prétextes. Oui, par ce soir magique qui s'intensifie, tu dis merci de pouvoir vivre cette vie. Et dans le matin, déjeuner assis dehors, recevant du soleil ses merveilleux trésors. Waouh ! Petit insecte humain qui rampe sur la terre, dont l'incertain destin te désole et t'altère, quand par un soir d'été tu t'en vas plein de doutes, écoutant la rumeur qui vient d'une autoroute, et qu'elle te semble extraordinaire quand même et palpitante l'existence que tu mènes, malgré les cruautés qui sévissent parfois, et entre quelques cités travaillées par des voix méchantes qui font que, comme des sales bêtes, les hommes s'entretuent pour d'ineptes prétextes. Oui, par ce soir magique qui s'intensifie, tu dis merci de pouvoir vivre cette vie, et dans le matin, assis dehors, recevant du soleil ses merveilleux trésors, et dans le matin, déjeuner assis dehors, avec tes lunettes sur le nez pour mieux lire la fin de ce trésor. Voilà, c'est mieux. L'aude. Parce qu'il y a un trouble, une ferveur incroyable chez William Cliff qui s'attache à l'admiration pour le moine. L'exigence un peu, non pas austère, mais contestataire par rapport à d'autres qui ne se font pas assez mal. Lui, il se fait mal, etc. Il est parfois terrible dans les critiques qu'il fait de la poésie, mais aussi très exigeant. Vers les 5 heures du matin, j'ai éteint la lumière, sentant que le soleil revient étreindre ma paupière. Après avoir bu et fumé et lu trop longuement, je suis tombé comme un damné dans le fond du néant. Soudain, j'émerge du sommeil sous le coup de 10 heures, alors que brille le soleil sur toutes les demeures. Les moines, dans leur monastère au milieu de la nuit, afin de faire leur prière, se tirent de leur lit. Ils se couchent tout habillés sur leur humble paillasse et se relèvent pour prier sans jamais qu'ils se lassent. Et les parents, malgré leur grogne, réveillent leurs enfants qu'ils conduiront pour qu'à l'école ils deviennent savants. Et dans les hommes aimés et dans les hommes, les vieillards tués de somnifères vont au réfectoire s'asseoir pour mâcher des misères.
Et en un de celui qui a dormi dans une loque se lève et sans l'astre qui va refrapper sa caboche. Gloire et louange à toi, au grand célibataire qui fait chaque jour sur mon toit ricocher ta lumière. Matière fermée est le titre du livre de William Cliff aux éditions de la Table Ronde. Et commence par cette note assez joyeuse. J'écrivons ce sonnet au clair d'une bougie. Un arbre a dû tomber sur la ligne électrique. Le vent souffle en tempête, on redoute l'orgie de forces et de flux jetés sur la boutique. Ô bruit tumultueux jusqu'à la névralgie, le feu dans l'âtre émet un soupir nostalgique. Quand donc cette folie sera-t-elle assagie et cette angoisse sourde au charme despotique? Venez vivre au bord de la mer quand ça déprime et que partout les marais sont saturés d'eau, que l'on se fout de vous comme d'une guigne, que tous les fils sont rompus autour du poteau. Eh bien, regardons de cette bougie la flamme tant qu'enfin l'EDF ait réparé la panne. On va avancer sur William Cliff pour s'y attarder. Il faudrait parler ensemble dans la fraîcheur d'une crypte. J'aime à lire non point son poème d'action de grâce, mais cette petite notule qu'il fait à propos de matière fermée. Matière fermée. Dit-il, pourquoi ce titre étrange, matière fermée? Parce qu'étant vrai, elles ne sont pas ouvertes et conservent ainsi leurs puissances innées, qui ne sont pas à portée des têtes trop prêtes, qui ne sont pas à portée des têtes trop prêtes, à expliquer toujours ce qu'on ne peut comprendre aux matières fermées de la vie récurrente, vous voilà donc donnés à lire dans ces pages où l'on verra sans doute quelques miens voyages et les trépignements de mon corps sur la terre. Ô matière fermée qui, lancée sur votre air, n'arrêterait pas de nous interpeller, je pense que vous avez encore beaucoup de route à faire et de quoi ramasser dans ce verre, je l'espère, les matières fermées de l'immense existence. Et j'aimais claquer un bon coup. Alors, en terminant avec deux poèmes, l'un qui est un peu baudelairien, mais on part ailleurs, plainte de son éloignement. Des mouches bombinées sur la crotte d'un chien, mouches de torse jaune entourées d'anneaux noirs, c'est que cet excrément contenait la mémoire de tout ce que le chien avait mangé de bien. La montagne était grosse où elle butinait, il leur faudrait beaucoup manger pour l'engloutir. Mais la terre, elle aussi, est grosse où l'homme naît, ce qui ne l'a jamais empêché de la salir. Les mouches, comme l'homme, aiment la compagnie. Elles aiment ensemble attaquer la pâtée. Puis arrive un moment où, par une avanie féroce, on a envie d'aller d'autre côté. Oh, reviens, je t'en prie, et me mène à l'écart des mouches pour avoir ce que mon cœur demande. Beaucoup de ces poèmes sont adressés comme une supplique à quelques bien-aimés, quelques garçons qui lui revient en mémoire. Ce chant des morts, moi, j'aime le dire, dans ce pays où vous n'avez pas la chance de connaître les champs de betteraves et de pommes de terre, voilà, l'absence tellement idéale de tout relief, le ronron des tracteurs aussi, mais des vrais tracteurs, quoi, le truc... et les terrils. Et je te remercie, ça n'est pas les terrils, parce que j'ai jamais dit un fusil. Donc voilà. Eh bien, pour ramener un peu cette fraîcheur du Nord, hein. Ah ouais. Ah, ils veulent... Alors, non, parce que je... Là, je...
Je prépare des interventions en ch'timi. Bah, par exemple, te prends un grand poème classique, un poème de Arthur Rimbaud. Ah, j'ai pour mes. Et donc, ça donne. On va partir dans les éléments favoris de ce pays. Imaginez-le avec une bière, et Rimbaud dit : je vis ainsi, tel qu'un ange aux mains d'un barbier, empoignant une chope à forte cannelure, l'hypogastre et le col cambré, une gambier aux dents, sous l'air gonflé d'impalpable voilure. Invic pour le cabaret. Ça, c'est un autre poème. Quoi. Invic pour le cabaret. Aussitôt qu'il y rentre, il jette ses yeux sur le pompe accolé au comptoir. D'une grosse voix grasseillante, il commente à une grande pinte et fait claquer ce palais en attendant de la voir. Tel que les excréments chauds d'un vieux colombier, mille rêves en moi font de douces brûlures, puis par instant mon cœur triste est comme un aubier quand sanglante l'or jeune et sombre des coulures. Un cerf, il sacque le chope comme si un volier prente. Il souffle dessus le mousse qui spit en arrosoir. Il boit, le bière dégouline à gargouillant dans le ventre. On voit que c'est un grand poète, hein, parce que les images, elles choquent bien, quoi. Puis, quand j'ai ravalé mes rêves avec soin, je me lève ayant bu 30 ou 40 chopes et me recueille pour lâcher l'âcre besoin. Un cerf, il sacque le chope comme si il lui apprend, il chauffait le dessus de mousse qui se pite en arrosant, et le bière dégouline à gargouillant dans le ventre. Le pâte est vute, Guy Fabière suce les bords de ce moustache et rebuque le chope un bon coup sur le table avec tapage. Un rapplique, notre galaffe, l'œil brillant de gourmandise. Ah bah attendez, je vais quand même vous citer Rimbaud. Faut pas s'enfoncer comme ça, vous êtes trivialité. Doux comme le seigneur du cèdre et des isopes, je pisse vers les cieux bruns, très haut, très loin, avec l'assentiment des grands héliotropes. Et l'histoire de Cafouillette. Notre galaffe, l'œil brillant de gourmandise, elle jette de la bière à grand flot dans ce gorge en manche de chemise, et le bon jus s'évapore comme un goutte d'eau sur le feu. Voilà. Mesdames, messieurs, pardonnez-moi de requérir votre écoute durant votre trajet à bord de notre montage de poésie, spectacle pour tous à 16h, sous le grand chapiteau, messieurs, dames. Je sais que je ne suis pas le premier, et je sais que je ne suis pas le seul. On vous propose ici des spectacles, de la magie, des jongleries et des lectures, des musiques, un feu d'artifice de toutes les couleurs. Je sais cela, messieurs, dames, et croyez bien, ce n'est pas de gaieté de cœur si je sollicite encore votre attention, car je ne vais pas vous mentir, je traverse une période difficile, et vous aussi, ça se voit, ne me cachez pas que vous allez mal, vous avez trop forcé sur la bibine et sur le moka et sur le chocolat, on n'a pas su s'arrêter, y compris devant la télé. On s'est gavé de laitissine, de ganache et de gyandjura. Pire, on a laissé Monsieur Pralin fourrager, hein, sans vergogne et sous nos yeux, avec sa grande queue à liqueur et son nougat de grand manifafa. Madame Praline, sous l'armoire aux langues de chat, on s'en est fichu jusque-là. Hein, ras les meules, au plein les gencives, plein de burlingues, jusqu'à plus soif. Mais heureusement, nous sommes là pour l'oublier. Car nous avons envie de nous changer les idées. Et c'est pourquoi je vais vous interpréter Excusez-moi, je ne connais pas encore bien mon texte et c'est normal que je me reprenne. Mais heureusement, nous sommes là pour l'oublier et pour nous changer les idées et écouter quelques grands textes de la culture universelle. Et c'est pourquoi je vais piocher pour vous dans mon répertoire. Si toutefois il m'en reste, épargné par les flammes. Et si certains textes vous plaisent, messieurs, dames, n'oubliez pas le petit sourire, ça ne coûte rien et ça peut toujours faire chaud au cœur.
C'est pas mal. Donc, tout ça pour présenter un William Cliff. Par contre, là, j'avais intérêt à faire le petit sourire. Donc, au milieu des champs de betteraves, le chant des morts, en ces pays de solitude où le brouillard s'étend sans fin, nous ne voyons dans l'étendue qu'un monotone et long destin. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas du Nord-Pas-de-Calais. C'est vraiment la Belgique. Hein. Non, c'est vraiment... Non, vraiment. En ces pays de solitude, entre Liège, tu vois, et peut-être vers Namur. Quoique ça commence à bouger un peu, là, ça monte. En ces pays de solitude où le brouillard s'étend sans fin, nous ne voyons dans l'étendue qu'un monotone et long destin. Rien ici ne trouble l'attente de ce qui va nous arriver. Jour après jour, sur cette pente, nous glissons à l'éternité. Le bruit qui rythme notre marche vient des chaînes que nous traînons et qui nous suivront à la trace jusqu'à notre ultime prison. Soleil et vent, calme ou tempête, les saisons ne nous touchent plus. Jour de travail ou jour de fête, tout est pareil aux détenus. Dans nos casernes basses, sales, nous écoutons le vent d'hiver, meuglé en poussant de longs râles sur nos toits recouverts de fer. La nuit, quand la porte est fermée, qu'on est muré comme au tombeau, nous revivons dans la fumée, montant hors de nos vieux cerveaux. Alors nos rêves partent à travers les toits impuissants, car la plus forte des baraques ne peut rien contre l'espérance, et celui qui dit sa prière, courbé sur son bas-flanc de bois, revient à l'innocence fière de l'enfant qu'il fut autrefois. Merci au vent et à la pluie, merci à la neige et au froid, ça fait du bien de le dire, qui nous font sentir que la vie vient à bout de tous les climats, et que si nous plions l'échine sous le poids de l'accusation, celui qui connaît notre crime nous a déjà fait son pardon. Le chant n'est pas seulement l'hymne à la bien-aimée, il traduit les émotions complexes et multiples que le mal, sous l'influence impérieuse ou latente de la passion qui le soulève au-dessus de lui-même, ne peut plus enfermer dans un simple cri. On parle des oiseaux, hein, je vous rassure. Affirmation de soi, de sa vigueur et de sa beauté, de son bonheur de vivre et de sa place dans la nature. Ainsi, au moindre soupçon d'une présence étrangère, la bouscarle emplit les roseaux du vacarme de sa strophe irritée et fanfaronne. Gardien de son canton, le rouge-gorge fait connaître à tous, en phrases variées à l'infini, qu'il est possesseur du territoire et qu'il entend y rester maître, car chanter pour l'oiseau, c'est aussi lancer un défi. En face, les femelles timides, les rivaux s'affrontent par la voix. D'une tête d'arbre à l'autre, les mâles pinçons se jettent sans cesse et comme s'ils voulaient le dernier souffle de l'adversaire, leur refrain triomphal. Au fond du buisson d'aubépine, deux rossignols face à face s'écoutent chanter tour à tour comme s'ils cherchaient à ravir le secret qui fait le chant le plus beau. Au-dessus des prairies et des bois monte ainsi, éclatante ou discrète, douce ou âpre, la jactance des mâles qui se répète de proche en proche. Aux limites de l'habitat de l'espèce où la lutte par la voix s'atténue entre les rivaux isolés, le chant perd sa force et sa beauté, Dans quelques jours, je devrais m'amuser avec cet argument des vieilles carrettes, qui est l'histoire d'un type qui a perdu son spectacle, tout a brûlé, et à qui il ne reste plus que quelques boniments. Et aussi, je vais faire un montage avec d'autres comédiens sur des textes d'oiseaux, alors c'est encore en train de se chercher à droite à gauche. Nous approchons de la sortie, messieurs, dames, attention. Ah, bon, j'avais plusieurs pistes parce que j'avais un texte de Dominique Zampiro qui est toujours une surprise lorsque je le rouvre, qui est très, très étonnant, pardon de... Je voudrais quand même citer cet homme admirable, je dis dans les derniers jours d'enregistrement pour France Culture, qui est James Sacré. J'ai malheureusement presque trop peu de textes de lui.
Il faudrait prendre le temps. Moi, je vais juste le citer, puis après, on va finir avec un texte de Valérie Rousseau. Un ange inventé. Est-ce que penser à toi suffit pour que le temps soudain soit comme une joue qui brille ou, dans un mouvement familier, la fesse intime de l'amour? Ah, comment célébrer autrement que par le rythme et les mots arrangés, musique pourtant que je veux prise en de la tendresse et le silence battant du cœur? Comment célébrer avec assez de ferveur et de conviction parler n'importe quel ensemble de gestes que ton corps magnifie à cause d'un sentiment tellement vite mais souvent qui fait chaud ton sourire? Un cheval comme un ange et notre charrette s'en va dans l'énigme bleue du ciel. Le livre s'appelle « Écrire pour t'aimer ». Il a cette grâce de la poésie qui fait qu'on la tourne, on la fait tourner sur elle-même en tournant petit à petit, sortent les airs, les sens ou les pistes les plus profondes que cela contenait, presque par nonchalance, ne pas y faire attention. Le cœur et d'autres organes. Ce que veut dire le verbe « aimer », j'ai pour en mesurer l'impact, les gestes aujourd'hui, ou bien l'insensée rêverie qui me revient souvent, l'espèce de bonheur qui bat, pas plus dans mon cœur en fait qu'il n'est installé à des endroits plus intimes de mon corps, je garde auprès des miennes tes lèvres qui dorment. Le cœur et d'autres organes, ce que veut dire le verbe aimer, j'ai pour en mesurer l'impact, les gestes d'aujourd'hui, ou bien l'insensée rêverie qui me revient souvent, l'espèce de bonheur qui bat, pas plus dans mon cœur en fait qu'il n'est installé à des endroits plus intimes de mon corps, je garde auprès des miennes tes lèvres qui dorment. C'est beau la poésie. Comme sacré. Ouais. Il dit de manière absolument géniale, quelquefois, son origine de la terre, la transmission faite par ses parents, non point dans pas un endroit charmant et typique, une vraie terre où il faut calculer, enfin additionner ses efforts pour cultiver. Et je le retrouve pas. Comme d'autres, le poème passe du temps à dire ce que serait un poème. Qu'est-ce que serait un poème si ce n'était pas sans cesse un effort obstiné de dire? Ça, c'est j'aime sacré, garder cette espèce d'expression directe. Il retire la négative si ce n'était pas. On va appeler ça une licence, si vous voulez. Mais qu'est-ce que serait un poème si ce n'était pas sans cesse un effort obstiné de dire? Tout l'arrangement de ces formes dans l'énormité du langage n'étant qu'un lent et difficile désir. Dire la saveur d'un visage ou la nuit bousculée, les empêchements, les désordres qui boutent à des endroits pas forcément prévus de notre corps, le problème, c'est que ton visage va s'éteindre ou s'outir entre l'obscurité d'un cœur et celle des dictionnaires dans le poème. Je pense que c'est soupir, et j'ai un problème avec mon traducteur de texte. On termine avec un texte de Valérie Rousseau. Messieurs, dames, je vous demande de l'applaudir. Ouais. Ah, je dis ça parce que vous avez été très courageux, hein, bravo. Hein. Mais il faut encore que je le retrouve dans tous les... Oui, il est dans la semaine Rousseau. Vous avez raison, à la fin de la semaine Rousseau. Vous avez encore... C'est une merveille. Oh. Oui, on peut se lever pour la Rousseau. Non, moi, je veux dire. Ça tombe bien, ça réunit ce qui se disait là. D'une certaine manière, je ne sais pas si j'ai parlé de la confusion des temps, mais un peu de la confusion des sens. Oui.
l'amour continuera. Je pense aux personnes merveilleuses de ma vie. Je pense à vous, mes amis, vous, mes inconnus innombrables. Je pense à Robert Desnos, dont les yeux étaient des perles. Je pense à Rimbaud, le jeune homme vert qui rougissait jusqu'aux oreilles. Je pense à Daubigny couché avec ses pistolets. Je pense aux personnes à merveille dans ma vie, mes frères loin, mes poètes en allés mais jamais rencontrés. Je pense au cœur de ma mère solitaire. Je pense sur la tête de mon père. Je pense à mes aïeux en randonnion dessous la terre. Je pense à ma grand-mère sempiternelle qui avait le blues toujours dans sa vieille blouse. Je pense aux personnes merveilleuses de merveilleux. Je pense aux personnes de merveilleuse à vie. Je pense à leurs coups de main. Je pense à leurs coups de pied, au soleil coup coupé et abaisse mon corps. Je pense à leurs coups de rein. Je pense à leurs coups de dé. Je pense aux personnes qui me merveillent la vie d'hier à aujourd'hui et jusqu'au lendemain, la merveille de leur voix, de leur rire et chagrin. Je pense à eux longtemps, je pense à eux très vite, je pense à elles aussi, je pense partout à lui. Je pense aux personnes dans ma vie merveilleusement, je pense merveilleusement aux personnes de ma vie, car je n'oublie personne, personne, et pas même moi, je pense à tout le monde. Et m'y trouve comprise. Je pense à moi qui pense à vous et à merveille. Valérie Rousseau. Ça va ? J'ai fait 2 heures ? Non. J'ai fait 1 heure. J'ai fait 1 heure. Merci. Merci. Oui, dès l'instant que je vous vis, beauté féroce, vous me plûtes. De l'amour qu'en vos yeux je prie, fallait-il que vous vous aperçûtes ? Ah, fallait-il que je vous aimasse ? Et que vous me désespérassiez, et qu'en vain je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez. J'en ai bouffé la moitié. Je voulais simplement consacrer le dernier poème à Hervé Prudhon, qui est un ami et qui a écrit cette merveille avant, bien avant qu'il ne soit parti. Je n'avais qu'un avait. Nous n'avions qu'un avion. Et nous étions dans le désert, celui qui se donne désert d'océan patibulaire avec 3,295,887,203 grains de sable et 2 cactus. Alors nous avons pris l'autobus en suçant le navet qui n'avait aucun goût. Et ce navet, nous le lavions. Et quand nous l'avions lavé, l'avion qui n'avait plus d'hélice était un pur délice. Oui! Merci.